Des morceaux qui existent déjà. Maintenant pour les nouveaux morceaux, bon, c'est moi qui commence le truc et puis je vais bosser plus avec Jérôme ou plus avec Seba ou plus avec Tidiane selon les personnes qui sont là quoi. Ou alors on se met tous ensemble et puis on essaie d'avancer, mais on s'est rendu compte que c'était assez dur parce que comme forcément chacun a son avis, le morceau il peut partir dans plein de sens différents. Donc c'est bien d'être un petit groupe d'abord pour commencer à asseoir le truc et après que tout le monde se réunisse pour
chacun mette sa touche. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mes amis. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mes amis. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mes amis. C'est petit à petit que l'homme construit sa vie doucement. Quand t'es pas connu, en fait, tu tournes dans plein d'endroits différents. Tu te retrouves dans des assos de village où t'as des personnes âgées, des enfants. Tu te retrouves à jouer dans des lycées. Tu te retrouves à jouer dans des bars paumés, mais où c'est la fête grave. Tu te retrouves à jouer dans des petits festivals. Et donc en fait c'est hyper intéressant parce que déjà ça te permet de faire évoluer ta musique par rapport aux gens, enfin par rapport au feeling avec les gens, et puis de découvrir plein de choses. Donc te faire connaître, t'as plusieurs solutions, mais disons que nous ce qu'on avait envie de faire, moi ce que j'avais envie de faire et la personne ressentait la même chose, c'était par les concerts. Donc on s'est d'abord organisé pour bosser avec un tourneur. Donc là, c'est l'association Furax qui se trouve sur Paris, qui fait entre autres tourner d'Araji, La Brigade, Lab et quelques autres groupes. Ce qu'il y a de bien, c'est quand tu as du tour support, donc de l'édition, tour support, c'est pareil, c'est un budget qui aide à faire des concerts. Parce que quand tu fais des concerts que tu n'es pas connu, eh ben, tu vas te déplacer à l'autre bout de la France, mais rien que